Oh, Avalanche ou bien? Alors on se retrouve aujourd'hui sur une compétition, la troisième épreuve du championnat de France. Voilà, malheureusement, on n'est pas épargné par la pluie comme sur les autres épreuves du championnat de France. Il a plu pas mal aujourd'hui, donc ça s'annonce une épreuve difficile. En plus, la liaison a l'air assez technique, donc ça va être un vrai enduro vraiment sympa. Donc là, on prépare des masques pour demain, en compagnie de Witwicky. Voilà, donc en attendant l'épreuve de demain et de dimanche, normalement ça devrait s'améliorer dimanche, donc ça serait de bon augure. À plus! 525, 526, 530. Eh bien, c'est Pierre Ourlin, licencié au club de Boussac et aux couleurs du Dix et Enduro. 534, on va faire.
Voilà, Pierre qui vient de sortir. Incursion chez les Nations 3 avec un autre dessiné avec une durée qui stable le sport. Elle est là. Et on est ici tout un bon programme. Donc, fin de l'enduro de Saint-Agrève pour une troisième manche du championnat de France. Il nous avait gâté,
avec voilà, des liaisons quand même assez techniques, des pierriers, des marches, de grosses descentes avec, avec des racines, des cailloux roulants. Voilà, c'était vraiment une belle épreuve. On s'est fait plaisir en liaison. Le premier jour, dans une côte assez technique, il y a eu pas mal de bouchons. On a dû attendre un petit quart d'heure. Malheureusement, moi, j'ai pas réussi à rattraper ce temps en liaison. Donc voilà, j'ai pris 2 minutes de pénalité. Sinon, le dimanche, c'est beaucoup mieux passé. Je commençais à prendre un peu mes marques, mais voilà, je manque toujours de vitesse sur terrain sec. Et voilà, j'avais du mal quand même à rouler sur ce type de terre qui est une terre un peu sablonneuse, qui se dérobe un peu, et voilà, la technique est quand même un peu différente. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue à ce type de terre, travailler ça avant la prochaine épreuve. Et puis voilà, c'était quand même je me suis fait quand même plaisir, et ça c'était et ça c'est l'essentiel. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, la bise au chat, à plus.